Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fa-Fa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallé. Je ne suis pas tout seul, accompagné désormais de la dérangeante, la célébrissime, celle-là même qui a des réponses qui ont du répondant. La géante, la grande, Chola. Bonjour Chola. Bonjour Chola. C'est la même qui a les réponses qui ont du répondant. Bah ouais. C'est comme ça, désormais tu es baptisé. Amen. Ah, ah, ah. Amen. Voilà. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui il y a de la joie dans ce studio. Parce que cette personne que nous allons recevoir a une histoire. Très peu de personnes ont une histoire. Il y a des gens qui ont une vie et il y a ceux qui ont une histoire de vie. Alors aujourd'hui, nous allons faire un Fa-Fa spécial. Nous allons nous expliquer, nous exprimer dans tous ces sens-là. Dames et messieurs, recevons ici aujourd'hui même la géante, la grande, celle-là même qui a décidé d'impacter toute une génération à travers l'évangile. Désormais, la servante de l'éternel au plus haut niveau, la géante Claire Baye. Waouh, shalom, les frères du palais, shalom. Petite sœur, Chola, la belle. Comment tu vas? Ça va. Claire Baye, sincèrement, tu es trop belle aujourd'hui. C'est vrai? Comme d'habitude. Non, aujourd'hui, là, seulement Chola, attends, permets-moi de m'exprimer. Attends, regarde, le teint là, les cheveux, la taille, le vêtement, tout ça. Ah, Claire Baye, est-ce que tu n'as pas commencé à faire chirurgie esthétique? Vraiment. Bon, Claire, comme cette question, il a posé la question. Ça, c'est une femme qui a commencé comme ça. Béni, moi, je vous salue depuis là où vous êtes, sur mon petit écran. Non, du tout, c'est la grâce de Dieu. C'est comme ça, quand tu es en Jésus, on a l'impression que tu fais des choses même. Ah, parce que là, moi, je pensais que tu allais faire ton nez un peu, tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, le nez, il peut changer. Le nez, il peut changer, non? C'est bon, mais comme là, on va faire comme. Voilà, franchement, tu es rayonnante, tu es toute belle. Merci. Et c'est un vrai plaisir de te recevoir. Amen. Ivoire TV Musique. Vraiment un plaisir pour moi. Oui, c'est la famille. Voilà. Et tu connais le principe de l'émission. On va pas encore te l'expliquer. Non, sans faux fuir. Voilà, c'est sans faux semblant ici. Voilà. On va démarrer maintenant le Fa-Fa, n'est-ce pas? Voilà, mais bien sûr, je suis là. Alors, quelle belle présentation. Merci. Sois béni. Alors, j'ai envie de dire Claire Baye. On va rentrer directement dans le vif du sujet, hein, parce que les fêtes de fin d'année approchent justement. Et j'ai entendu dire que Claire Baye ne fête plus les fêtes de fin d'année. C'est dû à quoi? Je ne comprends pas. Noël pour toi, ça n'a plus d'importance? Oui, tu faisais les arbres de Noël quand tu étais artiste, tu chantais. Tu allais prendre l'argent caché des gens dans les arbres de Noël, beaucoup on t'a vu ici. Pourquoi aujourd'hui tu dis que tu ne fêtes plus Noël? C'est bizarre. Non, mais on a changé de statut et plus de deux mois en tant qu'évangéliste, nous on ne fait pas vraiment Noël. Mais n'empêche que Claire Baye, la fondation Claire Baye, pendant les fêtes de Noël, j'offre à manger aux démunis dans les rues, et je prends des cadeaux, des jouets pour ceux qui n'en ont pas. Je vais voir les orphelins, les gens de la rue, ceux qui n'ont même pas de cadeaux. Et j'offre en tout cas avec le staff de la Fondation Claire Baye et des personnes qui volontaires qui donnent aussi des vêtements, des trucs. Et puis on part partager. Donc tu es passé plus du côté de ceux qui donnent que de ceux qui reçoivent. Exactement. Parce qu'avant de le couper les calais, tu partais prendre des abdos. Donc vraiment, les arbres de Noël, Claire Baye était là. Oui, mais bizarrement aussi, de l'autre côté, je donnais, parce que j'ai des photos, j'organisais les arbres de Noël. Ok. Voilà, et puis j'offrais quand même les cadeaux. Donc, depuis longtemps, Claire Baye donne quand même. C'est vrai que je prenais, mais on donnait. Mais là, maintenant, il y a une fondation et Claire Baye fait des dons pour Noël. C'est vrai que nous, en tant que Wadi évangéliste, on ne fête pas comme ça juste Noël. Mais c'est là où je voulais en venir. Voilà, on ne fête pas Noël comme ça, mais comme c'est un truc qui est déjà là et ça parle des enfants, ben moi je profite pour donner quelque chose, même si je ne fête pas forcément avec eux, pour faire les petits dons, pour faire plaisir aux enfants. Bien voilà, quand la Bible dit laissez venir les petits enfants parce que c'est des anges. Hein, et voilà. Donc si tu reçois, tu as donné un enfant, c'est à Dieu que tu as donné. Bien sûr, ils ont l'esprit pur. Donc si je comprends bien, Claire Baye est évangéliste. Oui. Alors moi je veux savoir, en tant qu'évangéliste, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait de fêter Noël?
Parce qu'on sait que Noël, c'est l'arrivée de l'enfant Jésus, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais maintenant, quand vous ne fêtez pas Noël, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas Jésus c'est arrivé là, comme c'est le fils de Marie qui venait le 25 décembre. Ça, c'est un débat. Tu sais, quand tu es dans la spiritualité et qu'il y a des débats que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas rentrer dedans. Okay. Dire que non, pourquoi? Ça veut dire que nous, on ne reconnaît pas que Jésus, l'arrivée de Jésus, ça, c'est notre débat. Jésus, c'est notre Seigneur. Mm-hmm. Donc, on reconnaît. Maintenant, qui a envoyé Noël? Ça, c'est des choses qui s'implantent, on ne sait pas ce qui est derrière, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Mm-hmm. Moi, ma religion ne permet pas de fêter. Mais pourquoi? La prochaine fois, je vais te répondre. Ah, ça là, la prochaine fois, oui, c'est lourd. Je me réfère un peu aux musulmans qui, eux, disent que Jésus n'est pas le fils de Dieu, mm-hmm. enfin, n'est pas Dieu. Mm-hmm. Donc, eux, ils ne fêtent pas Noël, mm-hmm. voilà, mm-hmm. parce qu'ils ne reconnaissent pas. Mais pour les évangéliques, ça m'étonne un peu quand même. Mmh. Bon, après, mais un jour, Claire Bailly va nous expliquer. Exactement. Il faut. Ouais, c'est comme par exemple, quand les gens rentrent dans l'église, je vous dis, oui, est-ce que Jésus est Dieu? Moi, il y a des débats dans lesquels je ne rentre pas. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort, parce que chacun... C'est sensible. Hein. Exactement. Ça dépend de comment tu crois en ton Dieu. Moi, ouais. Pour moi, Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Maintenant, quand je pose la question... Voilà, quand je pose par exemple la question à un... Je donne un exemple à un musulman, à quelqu'un, à un bouddhiste, peu importe. Tu viens de bavarder, tout ça, je te demande qui est ressuscité. Quand il me dit Jésus, je dis Alléluia, Amen, je quitte devant toi. Tu prends ta route. Le débat est clos. Tu dis, voilà, non. C'est là, c'est ça. Qui est ressuscité? Le seul Dieu qui est ressuscité s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Donc, il est ceci, il n'est pas cela. Qui est ressuscité? C'est Jésus-Christ. Et puis, c'est la personne qui est ressuscité. On va dire la seule personne des chiens qui est ressuscité. C'est Jésus-Christ. Bon, attendez, c'est pas émission des évangéliques. Okay, voilà, c'est pas au bon sujet. Je pense que je suis là. Non, c'est par rapport à ta question. Non, c'est par rapport à ta question. Je disais qu'il y a des débats vraiment dans lesquels je ne rentre pas. D'accord. Et voilà. Alors, Claire Bailly, on va taper dans le vif du sujet. Oui. Parce que tu sais très bien que. Quand tu as décidé de te convertir, quitter le mouvement coupé des câbles, donner ta vie à Jésus et commencer à le servir le Seigneur et tout, forcément, il y a des gens qui sont contents, mais d'autres sont mécontents. Ça, c'est sûr. Alors, quand tu as décidé de servir le Seigneur, quitter le coupé des câbles, tu as parlé des pratiques occultes qui se faisaient dans le milieu. Et ceux qui sont sentis morveux se sont mouchés en disant que fallait pas confondre tes pratiques occultes et puis la musique coupée des câbles. Bon, je me dis... On parle de musique et on parle de spiritualité. Mmh. Et on dit de ne pas confondre la musique et la spiritualité. Mais la musique, qu'est-ce que c'est? C'est spirituel d'abord. Ah, okay. Pourquoi? La Bible même dit, notre Seigneur siège dans la louange et l'adoration. Bien sûr. Donc déjà, tout ce qui fait musique, c'est la spiritualité. Et quand tu vois Satan, quand on parle par exemple de Satan, il tape plus sur le showbiz. Quand tu regardes, là où on pervertit le plus, c'est dans le showbiz. Mmh. C'est le plus grand canal de perversion. Oui, la perversité. Ah ouais. Oui, sûr. C'est dans le showbiz. Quand on dit showbiz, ça parle de la mode, ça parle de la musique. Ça parle... Les gens peuvent faire ça simplement. Excuse-moi, quelqu'un peut chanter simplement, décemment, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à rentrer dans certaines choses, tu commences à rentrer dans la perversité, c'est ça, c'est l'œuvre du diable. Voilà. Donc, déjà, la musique, c'est de la spiritualité. Toute personne qui chante, c'est parce que tu es inspiré. Et qui inspire? C'est l'esprit. C'est l'esprit. De Dieu. Voilà. Donc, si quelqu'un... Maintenant, il y a une, comme je dis toujours, il y a une nuance. Tu peux faire des pratiques et puis ne pas avoir la gloire. Parce que c'est Dieu qui donne la gloire. Mm-hmm. Ceux-mêmes qui font, par exemple, tu t'en chez le féticheur ou le marabout, il te donne, tu dis non, fais ceci, fais cela. Ça sera éphémère. Mm-hmm. Ce qu'il lui va te donner. Mais la vraie gloire, là, souvent même tu ne fais pas. Tu penses que peut-être c'est le féticheur qui a fait, ou peut-être c'est parce que tu vas... Mais lui qui donne la gloire, c'est Jésus. Lui qui donne la gloire, c'est Dieu. Donc, voilà deux choses. Quand tu es dans le milieu du showbiz, soit tu fais des pratiques, soit tu pries. Ça dit, c'est les deux choses. Soit tu vas te confier à tes marabouts bien, bien. Bien, bien. Et puis, quand ils font les trucs, le truc bien, 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 pour ouais. que tu puisses évoluer. Ouais. Bon, éphémère, beaucoup aussi font ça à ta poteau. Mm-hmm. Maintenant, c'est que, voilà, c'est que toi, tu n'es pas né pour vivre. Voilà. C'est que le maraboutage en ta poteau. Oui. Adama, c'est lourd. Oui. C'est lourd. Mm-hmm. Mais quand toi, tu as fait pour toi, quand tu étais dans le coupé des galets, parce que tu as fait des révélations, tu as dit que tu t'étais lavé nu, il y avait pas mal de choses. On t'a même demandé de tuer quelqu'un. Voilà, et c'est là qu'il a freiné. Ah, mais non. C'est pas étant dans le coupé décalé, bizarrement. Je ne chantais pas encore quand je faisais le fétiche. Non. Si, quand on m'a rapatrié... Oui, parce qu'elle n'a pas chanté directement. Oui, oui. Après, on m'a rapatrié en 2005-2006. Mm-hmm. Moi, j'ai été rapatrié ici. Mm-hmm. Donc, moi, je voulais retourner absolument en Europe. Ah, ça. Et je partais faire du fétichisme pour qu'on me voie, pour pouvoir voir mon boss, mais blanc, surtout.
Tu allais chercher le blanc. Le blanc. Le blanc. Plus, excusez-moi, plutôt c'est un noir qui m'a fait rapatrier. Bien sûr. Ah. On peut dire son nom? Non, ah, c'est pas utile. Okay. C'est pas utile. Oh, on est pas, moi, j'ai pardonné à toutes ces personnes. Non, mais ben, au passage. C'est, voilà, c'était un processus, c'est-à-dire c'est là que je devais passer. Voilà. Okay. Et c'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Donc, ma soeur, je reviens là. Et quand je suis arrivée, j'étais tellement désespérée. Donc, je partais aussi avec des personnes. Non, allons ici, on te lave, allons ici. Donc, quand je gagne un bon blanc, je vais le passer. Pour moi, c'est gâte. Ouais. Pour moi, on n'a jamais marché. Parce que tu n'étais pas prédestinée à ça. Ça pour d'autres. Mais qu'est-ce qu'on te demandait de faire concrètement? Non. Des sacrifices. Mouton, bœuf. Ah oui, on a payé. Donc, toi, t'as rapatrié, tu es venu, tu as l'air de faire payer mouton pour faire sacrifice. Ah, Claire, tu étais là aussi, hein? J'étais là, hein? J'ai gagné un bon blanc. Au lieu que j'ai continué ma vie. Non, je dis, il faut qu'il n'y a qu'à me marier forcé. Et puis, mouton, là, quand on te demande de faire sacrifice, qui mange? Je ne sais même pas qui mange ça. Non, c'est le marabout lui-même. Non, ils sont forts. Voilà. C'est-à-dire, vous, depuis, écoute-moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Non, c'est vrai. Écoute-moi. Ce que tu es en train de faire là, c'est ton argent cadeau. Même si tu penses que ça marche là, si tu, quelque chose marche dans ta vie là, c'est pas que tu es prédestiné à ce que ça marche. Chose, ça marche. Ce n'est pas le marabout. L'homme ne peut rien faire pour toi. Confie-toi à Dieu. J'ai fait marabout, mouton, bœuf, hollandais, poulet, pentado. Souvent, même, il te demande quelque chose de crocodile, que tu n'as pas trouvé, mais tu donnes l'un de ça. Ah, que lui peut trouver ça. Que lui peut trouver. Là, c'est le format. Tu vois, même, il y a des choses, il n'y a pas 100. Est-ce que tu as déjà vu 100 de crocodile à 100? 100 de crocodile, tu as trouvé ça. Où? C'est lui qui peut trouver dans son argent. Donc, je suis passé par tout ça. Et j'ai une maman qui m'a croisé un jour dans la rue pour dire, ah, ma soeur. Et j'ai été, je suis tout le temps hué dans mon quartier. Mais donc, qu'est-ce que tu dis du fait que Aziz 47, le féticheur, a dit que tout ce que tu as eu quand tu as fait fétiche là, qu'il faut venir rendre ça? Mais justement, il n'est rien. Justement, c'est les marabouts qui doivent te rembourser. Mais hein? Tu sais que c'est lui qui doit te. En fait, faut dire, donc c'est le féticheur qui te doit. Voilà, Aziz. Le féticheur met tes doigts. Le féticheur me doit. Aziz 47, le féticheur. Il doit sans le crocodile. Il doit mouton. Il doit tout. Et monsieur l'avait nu dans la rue. Tout ça là. Ma m'humilier encore plus aussi. M'humilier encore pour des. Mon impression m'avait attrapé, ma chérie, à minuit. À Bondoukou. Bondoukou, hein. Y a qui? On peut faire ce sourire comme ça. C'est pas possible. Attends, donc, Aziz, lui, il pensait que tu as pris. Mais il faut lui dire que. D'abord. Il a dit, vous me devez. Petit cher, vous me devez. Il a dit, au contraire, il n'est rien eu. C'est pas magique. Maman, on appelle Bomene Gengé Angèle. C'est elle, je partais prier chez elle, ma soeur. Il a dit. Avec mon mini, mon piercing, je ne chantais pas encore. Sa fille, elle s'appelle Sandrine. Je sortais toutes les nuits. On me eut dans le quartier à cause de mes sexy. On venait de me rapatrier comme une voleuse. Ouais. Et c'est chez la maman là que je suis partie. Elle a dit, vous laissez fétiche. Voilà ta vie. Voilà ta vie. Bizarrement, comme quelqu'un, j'aime fétiche. Moi, elle me parle de Jésus. Moi, j'écoute. Non, il y a cette chose qu'elle a dit qui est arrivée. Et puis, sur la musique, ça a commencé. Non, tu vois, non, frère, lui, moi, m'a rapatrié. Le parapatrié, c'est fini. Je suis parti. Donc, quand c'est arrivé, moi, ce qui m'a encore plus choqué, c'est quand ma maman est décédée, qu'elle a dit non, ta maman, tu sais, elle est visionnaire. Donc, ça fait que j'ai eu confiance à la dame. Donc, du coup, moi, je passe par elle, et puis elle parle à Dieu. C'est pas comme aujourd'hui où moi-même, ça dit qu'on ne peut plus me distraire. Voilà, ça dit que quelqu'un ne peut pas me dire, passe ici. Fait, j'écoute, je vais dire que j'ai mes parents spirituels, je les écoute, tout ça là. Mais aujourd'hui là. T'as ta relation personnelle avec Dieu. Merci. Voilà. Mais avant là, c'est comme si, de toute façon, il parlait, je fais des chiens. C'est comme ça qu'il partait me confier à ces femmes là. Il y a maman Angèle, maman Élie qui rentre dans ma vie après. C'est les prophétesses de l'éternel de Jésus. C'est comme ça dans mon coupé décalé là. C'est les femmes là qui partaient voir. Je partais payer ma dîme là-bas. Je partais payer mes offrandes. Okay. Donc quand il crie dans mon coupé décalé, il y a un truc bizarre à l'église avant mes critiques, mais c'est pas mon problème. Donc en fait, dans le coupé décalé, le fétichiste ne t'a pas donné de gloire. Non. Ah. Mais je n'ai pas fait même. Mais tu n'en as même pas fait. Dans le coupé de cas, j'ai commencé. Avant le coupé avant de rentrer. Est-ce que ce n'est pas ce que tu as fait par le passé avant de rentrer dans le coupé de calais là qui a fait que le succès est venu finalement dans le coupé de calais? Parce que là, tu étais la première. Tu moussais. Peut-être que fétiche là, ça ne prend pas en même temps. Mais le fait que tu aies fait auparavant là, ça t'a rattrapé. Oui, on mais dirait, tu dois. Il faut bien fouiller. Non, tu écoute, dois, écoute-moi. Au monsieur là. Non, écoute-moi. C'est quand tu fais au nom de quelque chose que tu dis que non, peut-être ça te suit après. C'est donc ça, toi, ce que tu voulais, c'était juste retourner en Europe. Oui, basser. Elle veut dire que... Briller. Tout elle ce qu'elle fait, faisait. Ce qu'elle recherchait là, c'était pas dans le profil de la musique. Oui, c'était pour partir aller en Europe. Oui. Donc maintenant qu'elle fasse la musique, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle recherchait. Oui, mais elle a fait de la musique et finalement, elle est retournée en Europe. Donc ça veut dire que quelque part, ça a pris. Non, faut délier ça, ça a pris. Après, tu voulais aller en Europe. Donc qu'est-ce que le marabout a fait? Il a fait... Non, tu dis qu'Aziz a fait la raison, quoi. C'est ça. Il a fait clair dans le coupé décalé. A fait que, à travers le coupé décalé,
faire plus retrouver la route de Boissy Charles de Gaulle. En fait, là, si je comprends mes choses, là, tu as l'esprit d'Aziz 47 dans ce moment. Il est venu. Seigneur, quel honneur. Sois délivré. Elle essaie de comprendre. Elle dit que, elle sait certainement, c'est pas ça qui me suit. Non, ça ne me suit pas. Chola, tu sais, nous, on est nés, grandis au village. Je peux même dire aussi que c'est quand on me voit me laver dans l'eau que ça me suit aussi. Ouais. C'est tu en sais. Parce que depuis, moi, je suis née musulmane. Mon papa était musulman. Ah, d'accord. Ok. Donc, je peux dire que ça soit les fétiches ou bien les maraboutages. Tu sais, nos parents, il faut. C'est nos parents. Il faut les honorer. Sinon, il y a des choses, tu as dit, elle n'a pas dit sa famille. Tu comprends ce qu'il a dit? Donc, ça, c'est. Il a dit, je suis né de nouveau. Parce que voilà, la preuve, la gloire, là, c'est Jésus qui la donne. Ouais. C'est Dieu qui la donne. Pourquoi? Regarde, moi, quand j'ai quitté, puis je suis venu accepter le Seigneur, je pensais qu'on en avait me dit, on va là-bas, Claire Bailly. Mais c'est le contraire. Ils sont bien accueillis. Voilà, je suis toujours Claire Bailly. Tu comprends ce qu'il a dit? Quand j'arrive, ah, moi, Claire Bailly, est-ce qu'on peut prendre photo? Quand je viens dans les supermarchés, je me dis qu'il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire que la gloire, là, c'est pas parce que j'étais de l'autre côté. Tu as juste changé de bord. Tu as quitté le monde pour la lumière. Voilà. Donc, est-ce à dire que ceux qui sont encore dans le coupé décalé, dans le showbiz, sont toujours dans le monde? Oui, ils sont dans le monde. Moi mon souhait est qu'ils acceptent Jésus-Christ. Tu peux être là-bas et puis accepter Jésus-Christ. Ok. Parce que moi, j'étais là-bas, mais je connais le Seigneur. Comme ce que Défalé a fait. Bien sûr. Moi, j'étais là-bas, comme je le dis. Je suis dans le coupé décalé. Je chauffe la nuit avec mes trucs. Mais les dimanches, je partais payer ma dîme. C'est Jésus qui appelle. On n'accepte pas Jésus parce que tu vas devenir pasteur. Mais c'est de donner ta vie à Jésus. C'est de trouver du temps pour le Seigneur. C'est l'évangile que j'annonce là. Le Dieu que je te présente, je n'ai pas dit non, comme je suis devenu pasteur. Vous tous quittez, vous venez en devenir pasteur. Ou bien un coup, quitte ta vie, vous viens. Non. Engenoue-toi, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et lui seul, quand tu vas écouter l'évangile, quand tu vas le laisser rentrer dans ton cœur, il va te dire où tu vas passer, où tu vas passer. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. En fait, c'est ça le tu sais, c'est les ténèbres à la lumière. Parce que tu peux peut-être être dans quelque chose où tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Jésus est comme un guide. Quand Claire parle de ça, elle veut dire par là que si tu l'acceptes, il peut te permettre de voir là où tu vas. Lourd d'évangélisation, mon frère, quand tu dis. En tout cas, ce donc aujourd'hui, on qualifie Claire Bailly exactement de quoi? Prophétesse, chantre, voilà. Non, aujourd'hui, je suis consacrée pasteur évangéliste. Évangéliste. Voilà, et je suis chantre aussi. Mm-hmm. Voilà. Bon, je lui ai dit, je fais des chansons à la gloire de Jésus-Christ. Voilà, les chansons à l'église et tout ça. Mais moi, je fais des chansons à la gloire de Jésus, mais je suis plutôt consacrée pasteur évangéliste qui s'est passé le 20 août dernier à mon église. Enfin, mon père spirituel, Féa, béni de Dieu, à qui je fais coucou au passage. Ok, voilà. Donc, cela voudrait dire, par exemple, Chola, on va vous demander à Claire, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que, je dirais, bon, je chante à la gloire de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut te coqueter ou bien te mettre en compétition dans un concours pour gagner une récompense avec d'autres artistes? Non. Parce que aujourd'hui, ce que je fais, c'est pour la gloire de Jésus-Christ et non pour aller compétir avec comment on appelle ça, les collègues, les gens, oui, pour pouvoir avoir un trophée. Non. Et ceux qui le font, qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas comment on les éduque spirituellement, mais moi en tout cas, je n'ai pas ma place dans ce genre de choses. Et d'accord. Tout bon chant de l'Éternel, la gloire est pour Jésus-Christ. Mm-hmm. Laisse la gloire à Jésus, mais pas aller se battre avec des gens pour dire non, je veux le trophée. Jésus donne tout. Mm-hmm. Laisse les gens faire, mais aller compétir, non. Désormais, c'est la gloire à Jésus-Christ. Parce que quand tu cours derrière les trophées, ça veut dire c'est comme si c'était ta propre gloire en fait. Tu cherches la gloire pour toi-même. Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu, Claire Bailly. Oui. Je vais te le dire, honnêtement, je vais te le dire. Bon, tu es pasteur. Logiquement, si tu ne fêtes pas Noël, tu ne dois même pas porter des perruques, les mèches et tout ça. Mais on voit Claire Bailly, elle s'en fait les délivrances, elle est pimpante, mèche jaune. Là, la même voilà, tu sais, une perruque, un fondage jaune. Ils ont bien collé qu'ils ont fait un bébé. Moi-même, Claire Bailly. Attends, on a fait le pasteur là, c'est comment là? Il a vu le démon qui est dans le gars là, quand il voit que lui, il est fan en fait. Attends, normal, tu dois même pas te défriser. Tu dois avoir cheveux nappis. Et puis tu t'en prophétiser. Mais là, la Claire Bailly, honnêtement, elle a mis les fans à paupières. Non, téléspectateur, tu vois que regardez Claire Bailly. Si vous dites Claire Bailly, parce qu'on peut quoi? Donc Claire Bailly, il faut nous expliquer. Je vous explique, quand je suis rentrée, quand le Seigneur m'appelait nouvellement, tu sais, quand tu arrives dans un village, tu regardes ce que les gens mangent, tu manges. Mm-hmm. Ce que les gens font, tu. Et effectivement, quand on regarde mon début, j'ai attaché le foulon, m'attaché le cœur. Donc, un jour, j'étais couché. Et ça m'a rien dit. Moi, j'étais couché sur le lit. Et puis, je reçois une vidéo où quelqu'un t'a dit voilà cette femme-là, elle est partie. Quand elle est morte, elle est arrivée au ciel. Les démons sont venus vers elle pour dire que sa démon est venu vers la chante là. Donne-nous là, parce que les anges sont venus chercher la chante. Mm-hmm. Et puis les démons sont venus dire non, elle nous appartient. Parce que dans le monde, elle a porté pantalon, elle a porté mèche, elle a mis ça, elle a mis tant. Donc je suis en train de regarder. Et moi qui suis couché sur l'esprit de Dieu me dit éteins, ferme cette vidéo.
que toi-même, le portable que tu as attrapé, tu sais qui a fabriqué. Franchement. Le lit sur lequel tu as couché, tu sais qui a fabriqué. Tout est grâce. Tout est grâce. Je ne t'ai pas envoyé pour que tu ressembles à je ne sais quoi. J'ai dit, va me chercher ce que tu as perverti là. Parle-leur de Jésus-Christ. Dis que Jésus est Seigneur. Adore-moi en vérité, avec l'amour. Et non avec, pour dire non, tu vas faire comme si, ne te dénude plus. Ne porte plus les humains là que je portais. Ça, ce que je portais, c'est naturel. Ça prend la teinture. Ah, mais Claire, c'est mèche. Mèche, c'est mèche. Oui, mèche. C'est ce que je dis là, mais c'est mèche là que je regardais. Ah, mais allez, ma perruque, arrête ça. C'est mèche que je regardais. Écoute-moi, ma soeur. C'est mèche là que je regardais. On dit non, Satan est en train de me réclamer. Ça, c'est moi ce que j'ai reçu. Fais-toi chic parce que l'évangile que tu vas annoncer à la jeunesse, c'est pas en étant sale. Et tout ce qui est sur la terre ici, tout ce qui va pas. Tu les as fait vêtir en étant propre, tu ne peux pas venir. Et ça aussi, parce que tu veux louer le Seigneur, pourquoi tu as la faute? Excuse-moi, non, ceux qui parlent, pourquoi tu as faux? En quoi tu es ici? Téléphone que tu prends pour m'écrire même là, qui a fabriqué? Tu sais qui a fait? Ouais, c'est ça. Tout est grâce. Mais tu ne sais pas quelle incantation la personne a fait pour fabriquer son téléphone. Tu ne sais pas quelle incantation la personne a fait pour fabriquer son fauteuil là où on est assis. Les micros que nous utilisons. Peu importe. Facebook, nous aujourd'hui, nous parlons. Dieu seul sait ce qu'ils ont dit sur ce monsieur. Ou aujourd'hui, il y a ta page. TikTok. Vous savez, TikTok aujourd'hui qui a pris le monde. On dit qui a ça. Je m'étais. Vous savez qui sont les propriétaires. Moi, je ne sais pas. Des... Ok, moi, je m'étais aussi. Moi aussi, je ne sais pas. Mais on sait. Mais pourquoi? Aujourd'hui, toute chose est le canal. Dis-moi, on ne peut pas tout prendre forcément. Mais tant que ce n'est pas perverti et que tu peux annoncer l'évangile, écoute, étant clean, et que la jeunesse peut toucher pour venir sans être perverse, c'est le plus important. Est-ce que. Je pourrais porter du noir, mais aujourd'hui, je me suis venu un peu légèrement. Oui, là, la couleur cheveux de fille. C'est l'esprit de couper la couleur, t'es revenu un peu. Bon, enfin, on va poursuivre. Tu as vu, c'est comme ce que tu dis là. C'est comme moi, quand je me suis dit non, tu es converti, tu t'habilles comme les coupés de calais. Il dit, moi, m'habiller comme ça avant de couper des calais. C'est moi, mais fait que couper des habits comme ça. Donc, tu as vu, me parler de quoi. Donc, Claire Bailly, on va laisser les mèches jaunes. On va parler de ton voyage en Israël. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas exactement? Le pèlerinage. Et c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Et j'ai toujours dit, je veux que j'aille en Israël, Et le jour de ma consécration, c'était le 20. Et le 23, je parlais avec une maman, une prophétesse des États-Unis. Elle m'a dit, ma fille, je viens d'Israël, que Dieu te fasse la grâce. C'était le 23, que Dieu te fasse la grâce de voir la ville là où ton Dieu est passé, tout ça. Elle dit, maman, Jésus me sait que c'est mon rêve. Mon frère, où je suis en train de vous annoncer, le même jour, à 22h45, par là, mon téléphone sonne. J'ai un ami qui m'appelle. Je le salue au passage. Que, Claire, je suis couché, moi, mais en route, mais je cherche. On vient de m'appeler, que, est-ce que tu connais Claire? Ben oui, que Dieu nous met à cœur, moi, nous met à cœur de l'envoyer en Israël. Waouh! Donc, la personne qui m'a mis en Israël, je ne le connais même pas, où je suis en train de vous parler. Ah ouais? Vous dites que Dieu est capable de tout. Je suis parti en Israël, tout frais payé. Normalement, on dit que c'est l'État, tant. Moi, ce n'est pas l'État qui m'a appelé, c'est mon ami qui m'a appelé pour que quelqu'un. Donc, la personne qui était dans l'État, ou bien quelqu'un, je ne sais pas. Mais on dit, Dieu dit, le Seigneur m'a emmené en Israël. Et je suis parti en pèlerinage avec le groupe Sion. Vraiment, c'était bien et waouh, cette expérience, ça ne s'explique pas, ça se vit. Et tous ceux qui disent que, est-ce qu'il y a Dieu là-bas, est-ce que c'est pas Dieu est partout? Oui, Dieu est partout, mais est-ce que tu as marché dans les pas de Dieu que tu pries? C'est ça. Je suis parti marcher dans les pas de mon Jésus. Je suis allé voir où il est passé, où il a dormi, où il a fait des miracles, où il a fait. C'est impressionnant et c'est glorieux. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Je passais mon temps à pleurer, jusqu'à ce qu'on dit, moi, ici, bêté. J'ai dit, chacun est venu se chercher ici. Voilà. Nous qui ne sommes pas encore allés marcher sur les traces du Seigneur, pas de problème. Je t'ai dit, ma soeur, j'ai dit, un, deux, trois, je pleure même. On dit bêté, j'ai dit, excusez-nous. Chacun est venu se chercher. Dans sa spiritualité ici. Ah, d'accord. Parce que je savais ce que moi, ce que je ressentais. Je savais ce que je vivais. Au fond de moi, j'ai dit, un Dieu bon comme ça, il n'a rien fait à cause de nous. Il y a une partie, on dit, c'est ici, il est passé. Ils ont passé à lui pour aller l'envoyer chez Pilate pour le tuer. Il a commencé à pleurer encore. J'ai dit, c'est là, il est passé. Là, il est passé. Donc, tout ça là. Pourtant, Jésus est sorti glorieux, dans la gloire. C'est-à-dire, c'est le sauveur du monde aujourd'hui. Mais néanmoins, le fait même de revivre ça, ça m'a fait du bien. Amen. Ça a changé beaucoup de choses en moi. Amen. Et l'amour du Christ, c'est d'aimer réellement nos prochains. Voilà. Mais alors, je dis des choses là. Quand je vois Claire Bailly comme ça, toute belle, juste en train de me poser une question, ça me trotte l'esprit. Vas-y. Claire Bailly, de toute façon, tu es mal. Tu as là, tu as trop. Il n'y a pas les boss qui viennent vers toi encore pour te faire des propositions comme autant de boulot. C'est ça. Ah, tu ne peux pas déjà quoi. Voilà. Et puis tu as l'air que tu passes quoi. Inaperçu. Tu ne peux pas passer inaperçu. Non, Claire, tu ne peux pas me dire où on est là. Est-ce que Claire, les propositions indécentes continuent encore? Il a dit, excusez-moi, est-ce que Satan se fatigue? Ah! Bon. Non, je n'ai pas dit qu'elles sont Satan, j'ai demandé de parler pour dire que les gens. Les tentations. Ils s'espèrent toujours. Et là, ça a doublé même.
Parce que la vraie question, c'est Claire Bailly. De toute façon, tu brilles là. C'est l'un de Dim là qui te fait briller. Oui, c'est l'argent des bons pointeurs qui te fait briller. Ah non. Parce qu'apparemment, encore, c'est qui est un peu bizarre, Claire. Non. En ce moment là, toujours quand tu vois, tu es en première classe. Je ne sais pas, si tu bouffes là des dîmes, des offrandes, oh, tu peux être une classe, c'est ça. Ou bien, Claire, c'est ce que les gens se posent comme question. Il n'y a pas encore église pour vous payer. Ah, donc comment tu fais pour payer bien de première classe? C'est pasteur, donc tu dois faire l'un des dîmes. Non, ça, c'est récemment. Je suis encore fier de mon père spirituel en train d'apprendre. Mais donc, le père spirituel doit donner un peu. Il donne un peu l'un des dîmes à Claire. Non, on est en formation. Ah, je suis en formation. On ne paye pas dans le camion. Qui paye les billets première classe à Claire Bailly aussi? Dieu, bizarrement, Dieu me fait la grâce quand je paye mes échos, arrivé là-bas. Et il y a des gens qui, excusez-moi, hein, on me surclasse. On te surclasse? Oui, gratuit. Non. Sérieusement. Il fallait que tu t'as surclassé combien de fois? Et moi, je suis choquée. Et c'est choquant. C'est qu'il est choquant, c'est femme. C'est même pas vous dire, les garçons, non. Oui, tu peux dire que break, ils les font de toi, ils break. C'est des femmes qui font ça? Oui, c'est là, j'ai dit, waouh. Dieu est merveilleux. Donc, depuis que Claire Bailly est devenue chantre, il n'y a pas des boss qui lui font des petits cadeaux, je ne sais pas, te donner un peu d'argent de temps en temps, juste parce qu'ils aiment la personne de Claire Bailly. Non. Non, écoute-moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le moment, il n'y a pas de boss qui m'a appelé pour dire que non, viens. Mais si tes intentions, c'est de chercher à mes trucs, que tu me fais des cadeaux, je te dis non, merci. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas donc si quelqu'un s'élève et dit nouvelle Range Rover 100 millions Claire Bailly, je t'offre ou de couleur rouge comme tu aimes, je t'offre cette Range Rover. Tu me plais. Pas en tant que servante de Dieu, mais en tant qu'une femme qui me plaît. Tu vas refuser? Oui, je vais refuser. Non, Claire Bailly. Si. Non. Yes. J'ai failli m'évacuer. Arrête-moi. Non. Tu la couvres. Arrête de siffler, si tu veux dire. Sérieux? Parce que j'ai quitté tout ça. Ma soeur, j'avais l'opportunité de faire tout ça. Mais est-ce que tu as un homme dans ta vie en ce moment? Oui, j'ai quelqu'un. Il est en France. Ok. Et si vous me voyez aussi clean, bah, ça, voilà. Ça. C'est grâce aussi à lui. Exactement. Mais il a dit. D'accord. Ok. Donc, c'est tout ce que tu entends dire là. Ouais. Non. Tu refuses? Oui, je refuse. Mais s'il me dit, ah vraiment, ta nouvelle vie me plaît. Dieu voilà, me met à cœur de me donner un cadeau, oui. Sans chercher à te draguer, là oui. Tu prends. Oui, oui. Moi, mais si, moi, je prends avec bon cœur. Oui, pourquoi? Parce que l'or et l'argent, quand on dit l'or et l'argent appartient à notre Dieu, c'est pas parce que toi, tu as te promener pour moi, c'est parce que cet argent est dans la poche de quelqu'un. Dieu touche le cœur de la personne, comme de façon on voit en Israël, Dieu touche le cœur de la personne et puis on t'offre ces choses-là. Mais dis que venir, ma chérie, tu me plais, je vais enlever ton. Garde ta Range Rover. Ok. Voilà. Claire Bailly, dans le temps, quand tu avais commencé à faire le coupé décalé, apparemment, tu te chassais énormément. Oui. Voilà. Après le temps, ouais, Claire Bailly, quand elle a vu, on s'est fait faire une petite coupe carrée comme ça, et puis elle soulève une crête comme ça. Non. Quand tu vois Claire Bailly arriver, tu dis, elle le mini, plus petit petit sur le nombril. Tu dis, la fille arrive. Claire Bailly, tu as laissé les chats maintenant. Oui, les chats à outrance. Les chats à outrance, mais il faut, franchement, il faut se rendre propre. Comme je disais, quand j'étais couché, ce que j'ai entendu passer, je me suis même, quand vous regardez, retour en arrière, je me suis même délaissé. Pour dire que ceci. Non, tu n'as pas dit, va-t'en prendre un savon pour laver ton corps. Ouais. Donc, tu continues les chats. Pour se jugger. Moi, je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a savon pour teint marron. Comme par exemple, mon teint que j'ai là. Il y a papa, il y a savon, il y a huile. Il y a teint, regarde comment tu brilles. Teint noir. Il y a pour ça. Il y a pour teint clair. Parce que, en fait, c'est qu'elle n'est pas là. Ça, t'as pas chaud là. Faut pas que tu te chapes de deux choses là. Mais c'est ça. Ça aussi. C'est ce que je veux dire. Donc, elle peut pas devenir noire baillée. Ah. Elle reste claire baillée. C'est ça. Non, le chat est toujours là. Mais c'est pas outrance. Elle a baisé. Je comprends. Non. Ça veut dire que je ne me chape plus pour me blanchir, mais j'ai gardé mon teint naturel. Alors, Chola, on va retourner un peu en arrière. Claire baillée. C'est important. On va revenir sur ta conversion. Oui. Quelle est la chose qui t'a le plus choqué, qui t'a poussé à te convertir quand tu es dans le coupé des cadeaux? Je crois que le déclic, ça a été la mort de mon ami. Didier Arafat. Oui, le déclic. Oui. Sa mort, effectivement, m'a choqué. Pourquoi? Je répète toujours, on avait un concert. Et c'est lui qui était la pièce maîtresse. Du concert. Oui, du concert. Parce que tous les autres artistes que j'avais mis, c'est les étrangers. C'est Arafat qui était. Il disait, non, j'ai envoyé les Chinois. Et puis, il disait, les filles sont en train de dire, vous faites affaire concert. Les filles sont un peu. Tu sais pas que t'es la maman, t'es là, y'a des. Donc moi, j'aimais beaucoup les tricher. Et j'étais partante. Donc je partais le voir à la maison. On a donné la date.
lui-même, la date qui le convenait, c'est ce qu'on a donné, qui était le 30 août. Donc, je ne peux pas imaginer un seul instant. Et en plus, je comptais sur lui. C'est-à-dire, mon église, d'après moi, je m'en vais là. Moi, je ne compte pas pour dire que je n'ai rien dit. Je pensais aux femmes, que Dieu n'a pas. Moi, je n'avais pas le temps pour prier. Donc, voir mon ami sur qui je comptais mourir comme ça, et puis 30 août, c'est là, on fait les funérailles. Non, ça. C'est-à-dire, la même date où le conseil était prévu, c'est la même date que les funérailles. C'était trop pour moi. Mais quelle était votre réaction particulière? Parce que je sais qu'au fond de toi, il y avait un lien particulier entre Epiphanie et Arafat. Le public aussi se pose des questions. Non, parce que derrière ça. Arafat était ton gars ou pas? C'est ça la vraie question. Ok. Normalement, aujourd'hui, je suis devenu servante de Dieu. Je veux dire qu'avec tout le respect, aujourd'hui, c'est Fafa. Donc, j'accorde. À cœur ouvert. À cœur ouvert. Voilà, j'accorde. Et on dit que quand tu t'envoies quelque part, il faut accepter. Il faut accepter. Et moi, je me dis que pour cette question, j'ai déjà répondu. À la fois, c'est quelqu'un que j'aimais, mais il aimait les femmes en forme comme les chevaux. C'est pour ça. Moi, aujourd'hui, il n'est plus, je n'ai pas menti. Je n'ai jamais couché avec Arafat pour ça, à cause de ça. Mais j'aimais quand on disait qu'il sort avec Arafat. Donc, quand Arafat était baillé, vous n'êtes jamais vu nu, pas une seule fraction de seconde. Nu? En tant que go et gars, vous pinchouez, c'est? Non, Arafat de moi, on ne s'est jamais pinchoué. Bizarrement. Oh, pourtant, j'ai dormi avec Arafat. Non, c'est pour cela que nous, on te pose la question. Oui. Nous, on sait que souvent, quand vous finissez la soirée, il y a les vélos nocturnes, on était là, on l'a vu glisser sur le côté. Je répète encore et je confirme, j'aimais qu'on disait que vous sortez ensemble. Ça me plaisait d'entendre ça. Ça te donnait des points? Non. Un peu quand même. On mis les points, à la fin, tu donnais les points à tout le monde. Non, Claire, à la fin, disait toujours, Claire disait, non, tu es la numéro 1, la fille a sorti de sortir, toujours ça. Toujours. C'était le rapport. Ça, mais oui. Derrière ça, là, pourquoi derrière... c'est toi, celui qui fait ça, et puis il faisait pas ça, les autres là aussi. C'est ça, parce que il savait que je l'aimais beaucoup. Franchement, dit, à un moment donné, il disait que peut-être plus que ma personne, il fut un moment. Aussi. Voilà. Mais je n'ai jamais dépassé ce pas-là. Il sait. Parce que je me dis que si je pas son genre. S'il était son genre, et quelqu'un me disait, donc tu étais son genre, tu avais fait, il dit oui, peut-être. C'est ce qui fait mais que. Mais je pense qu'il t'a fait beaucoup de confidences aussi sur tout ce qui lui persécutait aussi dans le milieu. Beaucoup. Il t'a dit des noms. Beaucoup. Et puis il lui faisait quoi exactement? Pardon? Il lui faisait quoi exactement? Concernant la persécution, on le menaçait, on lui disait des choses. Non, il a dit à les personnes avec qui je dois faire, avec qui je dois faire attention, avec qui je ne dois pas être, pas je les trahis. Bah, voilà, c'est les noms qu'il a dit que je ne peux pas dire aujourd'hui. Moi, je suis. Pas peur des représailles ou. Hein? Non, moi, je suis dans les... moi aujourd'hui, je ne peux que prier pour ça. Voilà, je ne peux que prier pour ça. Parce que pourquoi? Parce que c'est un milieu qui est comme ça, c'est-à-dire ténébreux, où tout le monde s'affronte, où tout le monde se bat. Même là où moi je suis aussi, Satan est rentré là-bas. Pour dire quoi? Parce que je ne connais pas un endroit où il y a plus de scandales que dans le monde chrétien, dans le secteur chrétien. Non. À l'église, il y a plus de scandales là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où on est sauvé. Parce que tout, c'est-à-dire quiconque accepte Jésus a la vie sauve. Voilà, nul ne peut aller au Père sans passer par le Christ. Donc, comme le diable sait que là-bas, quand tu vas dans le Seigneur, tu vas être sauvé, il n'y a que la zizanie là-bas pour décourager les enfants déjà. Pour ne pas donner la vie décourager les autres à venir, en fait. Exactement. Voilà. Donc, aujourd'hui, quel que soit ce qu'Arafat a pu me dire, quel que soit ce que je sais de ce monde aujourd'hui, c'est de me replier et prier pour ça. Pour que vraiment les gens comprennent beaucoup de choses et sortir de là, donner leur vie à Christ et surtout aussi de faire attention aussi à leur vie. Mais quand tu vois ce brin d'hypocrisie de ces mêmes personnes qui sont assez hypocrites pendant ces obsèques, qu'ils étaient en train de se mettre au devant des choses, se jouer les personnes. Tu veux parler de qui? Non, moi j'ai pas envie de parler de quelqu'un, mais je veux juste dire que le brin d'hypocrisie, quand tu vois ça, comment tu sens ça? Ça fait un peu. Mais le monde même est hypocrite. Mais ça fait mal, ça fait bizarre quand oui, même. Oui, c'est comme ça. Le monde fonctionne comme ça. Et comme je l'ai dit, même. Le gars te combat dans le noir et puis à la lumière, il fait comme s'il était ton camarade. Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est ça, c'est du diable. Ça, c'est. Je veux dire, c'est comme ça le monde. Et de deux, comme je le répète, je le dis tout à l'heure. Peu importe l'endroit où nous trouvons l'hypocrisie partout, que ce soit dans le showbiz, que ce soit ailleurs, dans que ce soit travail, dans le bureau, que ce soit partout, même dans la maison de Dieu, l'hypocrisie est là-bas. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie, la méchanceté, c'est du diable. Ouais. C'est du diable. Donc, c'est de toujours demeurer en prière pour que, quel que soit le piège de l'ennemi, parce que tu marches avec quelqu'un, il n'est pas content de toi. Tu marches avec quelqu'un, c'est lui-même qu'on utilise pour te faire du mal. C'est ça. La personne qui dort avec toi dans le lit, c'est lui qui te fait du mal.
Donc, c'est toujours de prier. Aujourd'hui, moi, j'ai compris que comme le dit, ton sorcier n'est jamais loin. Voilà. Tout comme Judas a trahi Jésus. Exactement. Donc, ton Judas n'est jamais loin. Ton Judas, c'est celui qui te sert à manger. Ton Judas, c'est celui qui te donne de l'eau à boire. C'est lui qui peut te tuer. Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas te tuer, qui peut te faire du mal. C'est quelqu'un qui est à côté de toi. Donc, l'hypocrisie dont tu parles, ce n'est pas étonnant. C'est le monde même qui est comme ça. Et c'est de toujours. Voilà pourquoi il faut demeurer en prière. Voilà pourquoi il faut. On va toujours mettre tout en prière. Pour éviter donc, pour éviter revenir à la conversion de Claire Bailly et surtout sur le cas Arafat. D'aucuns disent que Claire Bailly était très liée à Arafat. Bon, d'après ce que j'ai entendu dire, on dit que c'était ton mouvement. Vous vous framponniez. Voilà. Maintenant, bon, Claire nous dit que ce n'est pas le cas. Bon, on va prendre ça comme ça. Mais d'aucuns disent que. Je n'ai pas à nier, il n'est plus. Voilà. D'aucuns disent que vous étiez très liés. Et que Arafat était un adepte des maraboutages. Hein. On a entendu plusieurs histoires comme quoi le Noyorobo même venait d'un village de voilà où il est allé prendre ses gris-gris, ses fétiches et tout ça pour avoir le succès. Donc certains disent que tu faisais ça aussi avec Arafat. Et quand Arafat est décédé, apparemment tu étais la prochaine sur la liste. Du coup, comme tu as vu ta mort arriver, tu as couru pour te convertir, pour que le Seigneur t'épargne. Qu'en est-il exactement? Ça me fait lui-même. Vous avez déjà vu quelqu'un qui signe pacte, qui va venir devant le monde à dire pour dire j'abandonne, j'accepte Jésus. Et puis tu n'as pas les représailles. Tu auras forcément des représailles. Ah, peut-être ça vient, c'est une question de temps. Comment c'est une question de temps? Ah, si tu as fait non. Le diable, son crédit finit par. Non, ça se fait du tic au tac. Le diable, là, tu ne peux pas l'humilier. Tu as maximum peut-être 3 mois, 6 mois, il te framponne. Ah, donc le diable, il y a date, même avec lui. Ah, d'accord. Diable. Et puis tu vas venir, ça dit toi-même tu sais, écoute-moi, toi-même tu sais ce que tu as fait. Tu veux le diable soit salué là-bas. Excuse-moi, toi-même tu sais ce que tu as fait. Tu sais quel pacte tu as signé. Tu vois que tu as ta mort dedans. Et puis tu viens t'arrêter. Non, je quitte votre monde, Satan. Mais et puis tu viens, au nom de Jésus, et puis ils sont chansons, tout ça là. J'étais eu au Satan. Oh, pourtant, moi, je sais que tu es parti signer le pacte. Et puis toi-même, tu t'en as le nagué, j'étais eu au Satan. Voilà. Quand tu chantes des chansons comme ça, tu n'as pas peur des représailles de Satan. Tu comprends? Mais pourquoi il n'y a pas de Satan? Celui qui est en moi est plus fort que Satan. Hey. Celui qui est en moi est plus fort que Satan. Donc, Satan ne peut rien faire dans mon affaire. Satan, écoute-moi. J'ai dit au nom de Jésus, je t'ai eu. Et ce nom-là, tu le connais. Il t'a vaincu depuis la croix de Golgotha. C'est ça qui se dit. Donc, pour toi qui a côtoyé Arafat, est-ce que c'est vrai que Arafat était adepte de maraboutage? Ah, vous savez, chacun dit ce qu'il veut. Même moi, on dit j'ai fait un maraboutage. Pourquoi vous voulez que je dise oui, Arafat a fait tant? Non. Arafat est libre de faire ce qu'il veut. Il a été adepte, n'a pas été adepte. Il n'est jamais parti avec moi. Je ne l'ai pas vu en train de faire. C'est comme tout le monde dans le showbiz. Mais je sais une chose. Dans le showbiz là, fétiche que là-bas, c'est pas un petit affaire. Mais dis, moi-même, on m'a lancé sort. C'est qu'il a venu chez Marabout. Pardon? Débordo a déclaré que je dis que c'est Arafat qui l'a venu chez Marabout. Tu te rappelles des ans? Non, moi, Arafat m'a jamais amené chez Marabout. La même manière que vous avez entendu, c'est la même manière que j'ai entendu. Et la même manière que vous avez entendu que Claire Bailly, c'est parce qu'elle a fait fétiche, elle a eu peur de mourir, qu'elle est partie ceci. Non, vous vous trompez. Je vous répète encore, au moins, il a fait maraboutage là, je vous ai déjà dit. Et je sais, je connais mes endroits même. Où je suis parti, bon, je ne sais pas s'ils sont toujours là-bas ou pas. Vu que tu as été très lié à Arafat, est-ce qu'il t'arrive de faire des rêves? Est-ce qu'il apparaît souvent dans tes rêves pour essayer de te parler, de te laisser un message? Parce que bon, Aziz 47 dit que Arafat lui a laissé commission. Bon, ça, c'est Aziz 47. Mais toi, Claire Bailly, est-ce que Arafat, dans tes rêves, tu le vois des fois? Depuis longtemps, non. Je ne rêve pas au moins. Mais quand j'étais en Israël, bizarrement, quand je priais pour le showbiz, pour tous ces stars, que moi, j'ai envie qu'ils servent le Seigneur aussi. C'est-à-dire qu'ils acceptent Jésus, même s'ils ne sont pas forcément pasteurs, mais d'une manière ou d'une autre, qu'ils servent le Seigneur. Et la personne que j'ai vue, c'était Emma. Et Arafat, même que je vais taire ce que j'ai vu. Emma Louès. Oui, Emma et Louès. Arafat. Et Arafat, oui, dans le donc, un vivant et, une vivante et un mort. Oh, voilà. Et le message que le Seigneur m'a donné. Oui. Il y a un rapport. Ou bien le rêve que tu as fait sur Emma, enfin, la vision, c'est une vision, hein, c'est ça, c'est pas un rêve, c'est une vision. C'est une vision, pardon, un songe. Oui, un donc, songe. Ça veut dire que. Je dois donner le message à Emma. Emma doit donner sa vie au Seigneur avant que le malheur n'arrive. Non, c'est pas une question de malheur. Donc, c'est quoi exactement? Non, pour nous affairer, nous, on va faire la commission à Emma Louis. Non. Justement, moi, je ne peux pas. Ah, tu veux lui dire ça à huis clos? Voilà, comme tu as demandé si j'ai rêvé, mais quand j'ai fait ce rêve, c'était en Israël et c'est pour Emma. Emma Louis. Alors, donc, qu'est-ce que tu penses de, par exemple, l'homme de Dieu récemment qui est sorti, qui a dit qu'il fallait que Emma donne sa vie à Jésus parce qu'il y a un grand danger qui la guette. C'est ça. Est-ce que cette manière de faire pour toi aujourd'hui, je dirais, qui est consacrée et tout, si tu as un message pour une personne qui est peut-être connue, est-ce que tu le fais publiquement? Non, il ne faut pas faire aux ça. Aux yeux et la face de tout le monde? Non, il ne faut pas faire ça. Donc, déjà pour prier, et tu fais, puisque c'est des personnes publiques, tu fais mains et pieds pour donner le message.
Mais tu et si la personne ne veut pas écouter, je ne viens pas publiquement comme ça. Maintenant, bizarrement aussi, comme les gens ne sont pas forcément accessibles, moi, honnêtement, je vais aller dire ça à Yuclo, à Emma. Pourquoi? Parce que j'ai parce cette, que tu accès, ouais, tu cette peux, possibilité. Tu as cette possibilité. Il me dit que peut-être cet homme n'a pas cette possibilité. Donc, du peut-être coup, voilà pourquoi. Il a, qu'est-ce il que le Seigneur a révélé à Claire Bailly en Israël concernant Emma Louez? Il faut que Claire Bailly nous le dise parce qu'on a besoin de savoir. Non, c'est du bien. Mm-hmm. Oui, c'est donc, il y a de bonnes choses qui arrivent pour elle. Voilà, c'est, seulement super. Ça dépend d'elle. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. Ah. Donc, c'est une orientation divine. C'est tout. Ok. Ok. Faut qu'elle quitte le monde. J'ai dit, il faut que je la croise. Faut qu'elle arrête de mettre les longues mèches et les longs ongles. Non, ah, ça n'a rien à voir. D'accord. Elle veut sinon... mettre les longues mèches. Mais du moment que ce n'est pas le cheveux de quelqu'un. Ok. Ah, mais okay. Parlons de showbiz. Voilà. Un show là, parlons de showbiz. Est-ce que tu as des nouvelles de José? José, il y a longtemps. Il y a un peu longtemps. Est-ce que tu l'as appelé pour la féliciter au moins pour son mariage avec traditionnel avec Sérédier? Pour le deuxième enfant, le deuxième bébé aussi. Au moment où le tout cas s'est passé, vraiment bien grave. Hein. Bon, est grave. C'est une question qu'on a posée. Hein. Non. Je suis toujours, comme je dis toujours là. Nous autres là, quand nous sort par exemple de l'église, on a le temps de jeûner. Il y a des premiers comme ça, on rentre en congèle à cause de vous. C'est important. Qui nous? Moi, je suis pas là. Non, pas vous. Non, nos amis, c'est important. Hein. Tu n'aimes pas, c'est pas parce que nous, moi, je suis pécheur. Claire est venue nous parler mal. Non, moi, je suis pécheur. Non, moi, je suis. Tout ça, c'est pour nous parler non, mal. Non, moi aussi, je suis pas sainte. Je suis pécheresse. Je veux dire que nous, pour vous, ça veut dire ouais, non, la Côte d'Ivoire, le monde. Vas-y. Voilà, c'est important. Non, c'est important. Voilà. Donc, quand je sors de là, voilà la nouvelle. On ne fait que prier. On ne fait que prier que quelque chose de bon, on va dire, sorte en tout le monde. C'est-à-dire que quelques personnes aient mal. Donc, mais tu es contente qu'elles ont officialisé leur truc union. Est-ce que tu es d'accord même avec le fait que José sorte avec mais un homme qui est marié, qu'elle fasse deux enfants avec? Oh là là, mon Dieu, qui suis-je, moi? Pour les juger? Qui suis-je pour dire que oui, c'est pas normal, ça, c'est normal. Non, mais en tant que pasteur, si tu devais donner un conseil à ta consoeur José, parce que parce qu'on a vu, on a demandé à Makosu nous a demandé, est-ce que nous on a vu le cuisse de José? Il s'est passé quoi, moi? Non, mais moi, je vous demande, qui suis-je pour dire non, ça, c'est pas ça, ça, c'est ça. Non, ça. On ne demande pas de juger, hein, mais quel conseil tu donnerais peut-être à une femme qui est dans la même situation si que si je vais donner le conseil, je vais le trouver, je vais le donner le conseil. Mais tu peux dire ça, non, à Fafa. Non, ça se fait pas. Donc, là, si toi, ton mari qui est en France, là, une femme fait deux enfants et lui, là, tu as dit que tu n'es personne pour la juger. C'est ça, aussi. D'accord. Non, mais si mon mari qui est en France veut faire un enfant avec quelqu'un, mais c'est que c'est lui qui est parti le faire. C'est qu'il est parti le faire. Maintenant, que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, mais qui suis-je? Maintenant, si j'ai envie de parler à José, je sais où trouver José. Donc, José, Claire va te parler. Voilà. C'est comme ça. Mais une chose est sûre, je prie pour eux. Ça, c'est sûr. Voilà, mais c'est très bien important. D'ailleurs. Maintenant, on a parlé de José. Je reviens encore sur le cas Arafat. On sait que tu étais très proche de lui. Tu connaissais bien sa fiancée dans le temps, Carmen Sama. Aujourd'hui, avec le décès d'Arafat, on sait que Carmen a eu beaucoup de sous. Aujourd'hui, on la voit un peu partout. Voilà, certains trouvent que Carmen est surexcitée. En tant que grande sœur, hein, et puis vu que c'était la femme de ton ami, est-ce que tu as déjà eu à lui donner des conseils par rapport à l'attitude qu'elle a en ce moment? Je reviens encore sur ma même phrase. Qui suis-je? Claire, tu vas m'arrêter dans ça. Faire des... Non, sérieusement. Non, Claire, arrête dans ça. Dans l'éducation, dans tout ce que Carmen est en train de faire, pour lui dire que non, vraiment, ça, ce que tu es en train de faire, ça, là, c'est pas bien, ça, là, c'est bien. Mon rôle, c'est de toujours continuer à prier. Donc, et tu pries pour Carmen, Sama? Ah, je prie bien même. Et l'évangéliser. Et parce que je lui parle souvent au téléphone. Ah, d'accord. Voilà. Donc, elle vous dit. Mais tu lui donnes pas de conseils, c'est juste tu pries pour elle, tu l'évangélises. Mais conseils, là, tu donnes pas. Pourquoi tu es cité? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es cela? Franchement, c'est même pas mon rôle. Non, mais Claire, quand tu aimes quelqu'un, quand tu pries pour quelqu'un, quand déjà tu évangélises quelqu'un, je pense que tu dois aussi accompagner ça avec des conseils. Mais c'est oui, très important. Oui, mais justement, avec les conseils, quand moi, on m'a évangélisé, la maman, là, elle m'a pas agressée. Oui, mais donner des conseils, maman, c'est pas agresser, hein. Mais ce que je lui ai dit, là. Non, petite sœur, écoute, en ce moment, les gens disent que tu es un peu trop présente. Essaie de voir si tu peux doser un peu. Non, mais c'est juste des conseils. Tu n'as pas envie de doser aussi. Le conseil, comment ça devient? Oui, mais au moins, elle l'a fait sa part. Elle lui a donné des conseils. Après, Carmen gère sa vie comme elle veut. Écoute-moi, j'étais amie à Arafat et non à Carmen. Je ne connais pas ses répondants. Je ne connais pas comment elle peut réagir. Tout ce que je peux faire, c'est de prier. Comment tu vas? Ah, voilà, ou bien voilà ceci. Mais ça, c'est pas, je veux dire que ça, c'est pas mon rôle. Je dis que, ah, petite soeur, pourquoi ceci? Déjà, tu ne sais pas comment cette personne va prendre ça. Déjà? Déjà. Pas faux. Mais toi-même, peut-être, tu ne sais pas comment tu vas prendre ça.
Non, moi, tant qu'on m'évangélise, qu'on me donne des conseils, pas de problème. Hein. Voilà. Pardon, j'ai dit non. Ah, je suis preneuse. C'est pas parce que moi, j'ai eu j'ai eu un vécu. Mm-hmm. Je t'ai dit que quand je portais les mini, on me huait. Oui, un lourd vécu. Voilà. On me huait dans le marché. On dit, ouh, la prostituée, là, ouh. Ah oui, j'ai vécu ça. Mais malgré ça, je continuais mes sexes. Oh, pourtant, eux, ils étaient choqués. Mm-hmm. Voilà. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, c'est la vie même qui est comme ça. Donc, trouver quand même, dire que oui, on dit que tu es sollicité, on dit que tu es ceci. Qui suis-je dans cette affaire? Alors, aujourd'hui, Claire, c'est de prier. Vu que tu es là, hein, il y a des événements qui sont passés depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui, en parlant par exemple de l'affaire Porti Porta à Dubaï. Mm-hmm. Tu n'as jamais donné ton point de vue dessus. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce genre de pratique à ce niveau de la vie? Porti Porta, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé. Ok, mais pas en émission encore. Voilà, pas en émission, j'ai déjà parlé de ça dans mon passé. En 2013, si je ne m'abuse, et vraiment, je sais ce que les gouvernements m'ont fait. Mm-hmm. Ils m'ont frappé, ils m'ont cloué avec les propos, quoi. Bien sûr. Ils m'ont insulté, ils ont tout fait. J'ai même failli quitter la Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai failli. Oui, pour ça. J'ai failli quitter la Côte d'Ivoire. Père à son âme, c'est Feu Ahmed Bagagou qui a dit, tu es une star, pourquoi tu fais attention aux gens? Que c'est toi qui as amené le monsieur. Quand on le voit, on dit Marie de Claire, ils n'ont jamais dit le contraire. C'est toi qui es la star. Ceux qui sont te lapidés, eux-mêmes dans leur maison. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas, c'est parce que tu es une star. Lève-toi et tout ça. C'est comme ça que je me suis levée. Ce jour-là, même quand j'ai fini la prestation, c'était un truc d'Arafat. Et moi, j'ai fait la première partie. Il m'a donné un peu de sous, vraiment. Et après, je suis partie faire, quelles que soient les ondes, avancez. Mmh, j'ai enchaîné avec mon compte. Et après, quand j'ai vu que les Ivoiriens ont répondu, j'ai dit, ah, les Ivoiriens qui m'ont insulté. Donc, ça veut dire que quand Dieu dit, quel que soit ce qu'on dit sur ta vie, quand Dieu dit, tu dois briller. Tu brilles. C'est ça. Quel que soit ce qu'on va te dire, peu importe ce qui va t'arriver, si tu sais bien le prendre, tu sais te sortir de là, tu sais bien, tu le supportes, c'est-à-dire tu utilises ça d'une manière positive, tu vas t'en sortir. Et mais sinon, c'était très difficile. Aujourd'hui, comme des années plus tard, 2013, 2022. Près de 9 ans plus tard. Mm-hmm. Ah, ou 9 ans plus tard. Porti est sorti. Claire Bailly avait dit, oh, jusqu'à mes postes sont sortis. Mes anciens tous sont sortis. Donc, on dit que c'est maintenant que j'ai dit ça. Pourquoi c'est maintenant que tu parles? On dit, non, c'est pas maintenant que j'ai parlé, c'est depuis 2013. Enfant de Dieu. On dit, ascenseur là, c'est Satan qui prend ça. Et puis, il arrive à la Daloube, il tombe en panne. Dieu là, Jésus là, lui, prend un scanner. On a fait là, ça arrive à bon port. Porti-Porta, ça existe depuis longtemps. Ne vends pas ta dignité pour de l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est gentil. Ça, c'est vendre sa propre dignité. On va mettre ça sur toi, dans ta bouche, dans ton pour l'argent, pour paraître. C'est Satan qui fait ça. Justement, vraiment. On va parler des influenceuses, hein, parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a une nouvelle vague de stars qui est arrivée. Bien sûr. Voilà, on les appelle les influenceuses. Il y en a une que tu connais certainement, Emmanuel Keïta. J'aurais entendu dire que ton pasteur avait un message pour elle. Oui, c'est un papa, un mentor. Mm-hmm. Mon père spirituel s'appelle Fille à Bien de Dieu. L'autre qui a dit ça, Jésus là-haut. Mm-hmm. Oui, c'est quelqu'un qui me soutient, qui continue de me soutenir depuis ma conversion. Mm-hmm. Un grand homme, oui, un grand homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut dire à Emmanuel Keïta? Il veut parler de quoi? De son mode de vie? Il veut la reconvertir ou la transformer en pasteur comme toi? Bon, personne ne peut transformer quelqu'un en pasteur. C'est ce qu'il a vu de la part de Dieu et je fais confiance à sa vision. Mm-hmm. Si c'est plus tard, si c'est dans 2 ans, si c'est dans 1 an, dans 10 ans, qu'elle doit servir le Seigneur. Mais je ne sais pas, c'est toi qui l'as. Moi, j'ai aussi entendu. Il dit dans son poste que cette dame est beaucoup persécutée, mm-hmm. qu'elle porte la chose de Dieu en elle, que ça dérange. Donc, du coup, elle ferait une véritable servante de Dieu. De Dieu. Voilà ce qu'il a dit. C'est, en fait, c'est une parole c'est prophétique. Chose qui est tellement, beau à voir et beau à dire. Quand moi, j'ai dit, je prie qu'il y a Salfo, comment ça s'appelle, Fali Poupa. Parce que j'aime, quand il chante là, je dis, et s'il pouvait devenir chanter pour Dieu? Comme ça, de cette même manière. C'est ce que je prophétise, moi aussi. Donc, pareil, moi, dans le coupé décalé dans le temps, il y avait un pasteur qui avait pareillement dit, ah, que sais-je, de Fali, c'est un homme de Dieu, tout, c'est sorti aussi dans les journaux. Hein. Aujourd'hui, en Asie, là. Donc, souvent, il y a la pensée Dieu de Dieu. T'appelle. Non, il y a la pensée de Dieu. Ça peut ne pas être là à l'instant. À l'instant, mais ça se fait tout jusqu'à. Après, c'est l'heure, c'est Dieu qui décide. C'est ça, c'est voilà. Ce que je veux dire. Emmanuel Keïta, c'est une étoile. Voilà, donc, il faut que EK comprenne qu'un jour, elle sera appelée à servir le Seigneur. C'est ça qu'il faut retenir. C'est une question de temps, c'est ça? Ah, donc, Emmanuel Keïta. C'est maintenant tu vois en tout cas moi c'est mon souhait. Tu seras comme Claire Bailly, pasteur Emmanuel Keïta. Moi en tout cas c'est mon souhait. Moi c'est mon souhait. Je veux que toi aussi tu sois c'est vrai. Ouais, toi même chaud là aussi. Mais c'est mon souhait. Non sérieux. C'est fini de battre les Libanais.
je disais, moi. C'est mon souhait. Alors, Claire Bailly, quelles sont les prérogatives à venir, c'est-à-dire les nouveaux projets en ce moment? Quelle est la chose sur laquelle Claire Bailly est le plus centrée en ce moment? En ce moment, comme je disais tantôt, on est rentré dans la fin d'année. On va dire on est bientôt en décembre. Mm-hmm. Voilà 2023 qui est là. On rentre dans un temps de jeûne et on a un programme à l'église, Mon sang en mai dans le Christ. Mm-hmm. Et après ça, Claire Bailly qui fait toujours, le Seigneur fait sa promo, hein. Mais tout en nous-mêmes, on accompagne aussi en montrant. Et il est l'heure de mon miracle. Ma soeur, il est l'heure du miracle que tu attends. Il est l'heure de ton miracle. Amen. Pour tous, il est l'heure de notre miracle. Amen. Voilà. Et c'est le new single de pasteur évangéliste Claire Bailly. Pour la gloire de Jésus, c'est un chant de louange, d'encens, pour dire que, voilà, de louange même. De louange. Pour dire qu'il est l'heure de ton miracle. Donc, danse déjà, parce que ton miracle est déjà là. Amen. Et voilà. Et tout le mois de décembre est vraiment chargé. Et voilà, il y a Daloa à faire, il y a, comme je dis, le programme d'une semaine, moi ça, mais tout en étant en jeûne, tout ce temps-là, pour la prière, pour nos parents, pour la nation, pour nos amis, même nos ennemis, et tout ça. Voilà, mais quand le sang amène, toi qui viens essayer en décembre, là, faut croire quoi. Voilà, mais faut croire. Mais dernièrement, on a vu des images de Claire Bailly en pleine délivrance. Amen. Voilà, je pense que c'était dans la rue. Oui, non, c'était la chose à Lilio. D'accord, ok. Lilio. Et il y a une fille même qui est tombée et tout ça. Bon, après, dans les commentaires, les gens disaient, non, mais Claire Bailly est devenue pasteur depuis quand? Elle peut faire des délivrances. Bon, il y a eu beaucoup de railleries derrière. C'est comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là pensent qu'ils ne croient pas en ton ministère? Non, c'est normal qu'ils ne peuvent pas croire parce que Jésus de Nazareth, même, il n'a pas été reconnu chez nous. Voilà. On dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir à Nazareth? Donc, Claire Bailly, tu regardes mon passé pour toujours me juger. Et c'est ça, le Christ. Quand tu es dans le Seigneur, les gens vont toujours dire, laisse le Seigneur faire le travail pour toi. Voilà. Ceux qui croiront, ils croiront. Et ceux qui ne croient pas, c'est ceux qui voient. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur Jésus-Christ, il prend la prostituée et fait de sa servante. Il prend le braqueur et fait de lui son serviteur. Il prend le tueur et fait de lui son serviteur. Il ne prend pas les gens qui sont bien, qui sont normaux. Donc moi comme ça, là, moi qui suis bizarre, moi qui me suis dénudé, moi qui ai cherché garçon à gauche, à droite, moi qui ai fait tout ce que vous pouvez imaginer, moi qui ai fait le fétiche et le maraboutage, le Seigneur fait de moi sa servante. Il a failli tuer quelqu'un pour avoir le succès. Exactement. Voilà, pour avoir de l'argent, pour aller en Europe. Succès, non. Europe, là, tu t'es omnibulé par ça. Hein? Exactement. Et aujourd'hui, le Seigneur fait de moi sa servante. Il fait de qui ce qu'il veut, comme il veut. Toi qui veux croire, ce n'est pas un problème. Toi qui veux croire. Le problème, c'est que ce n'est pas moi qui va te convaincre, mais c'est le Seigneur qui convainc. Personne ne convainc quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc l'homme. Bien sûr. Et tout est esprit. Au jour d'aujourd'hui, moi, je bénis Dieu parce que moi aussi, il fait de moi sa servante. C'est une grâce. Voilà. Oh, on est, j'ai touché le micro. Moi aussi, il fait de moi sa servante. C'est une grâce. Donc, pour ceux qui croient, pour ceux qui jugent, c'est tout à fait normal. Parce que quand je regarde la vie de mon Dieu, je me dis que pour moi, c'est peu à côté de ce qu'il a vécu. Alors, voilà. Claire Bailly, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Quel est ton message que tu peux porter à cette génération, cette jeunesse qui t'a suivi, cette jeunesse que tu as impactée à travers ce mouvement Coupé Décalé, aujourd'hui, de ta position? Quel est le message que tu peux lancer à l'endroit de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons qui t'ont apprécié? La caméra est là. La caméra est là. Voilà. Regardez-moi aujourd'hui, tout à l'heure, ils ont dit, ah, Claire Bailly, tu as les cheveux, tu as ceci, tu as cela. En fait, Dieu t'a fait comprendre jeunesse. Que Jésus a besoin de ta jeunesse. Jésus a besoin de comment tu es là. La manière dont tu es même là, ton gâté là, ton mélangé, ton tatouage, ton mini. Moi, c'est mon évangile que je t'annonce. C'est-à-dire l'évangile de Jésus qui me met à cœur, que je te dis. Façon tu es là, Jésus t'aime comme ça. Si moi, Claire Bailly, que tu as vu avant, dénudé dans tout ce que tu peux imaginer, dans tous mes mensonges, dans toutes mes voitures que tu m'as vu dedans, inventées, d'autres ne sont pas inventées, en tout cas, tout ce que tu connais. Si aujourd'hui je m'assois en train de parler de Jésus, c'est qu'il faut te dire que c'est du vrai. Sinon, dis-moi, pourquoi je vais laisser mes loups pointages? Pourquoi je vais laisser les loups joueurs? Pourquoi je vais laisser tous les loups trucs et puis venir parler de Jésus? Laisse-moi te dire, les temps sont mauvais. C'est vrai, tu vas dire que non, Arafat, t'es parti, t'es. C'est pas parce que je suis en Jésus que je ne vais pas mourir. Mais donne ta vie à Jésus et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Regarde-moi, je suis en train de briller. On dit, oh, est-ce qu'elle est vraiment convertie? Écoute-moi, ça fait 3 ans. Tu rêves. Pour que j'y revienne. C'est que Jésus. Faut dormir encore. C'est que Jésus, là, il n'est pas mort. Faut dormir encore. Dors. Tu vas te réveiller. Oui. Dors. Tu vas te réveiller. C'est même chose. Dors. Tu vas te réveiller. C'est que je ne suis pas parfaite. Mais je sais une chose. Où il m'a enlevé, là? Ah, il m'a enlevé loin. Voilà.
Parce que je sais ce que je faisais là-bas, je sais ce que je vivais là-bas, je sais comment je souffrais dans la chambre là-bas pour venir vous mentir. Et le Seigneur m'a donné la force de quitter là-bas. Le Seigneur m'a donné ce cœur-là de quitter là-bas. Donc je t'annonce l'évangile pour dire que tu peux être en Jésus et puis être chic. Regarde-moi. Jeunesse, tu peux être chic en Jésus et donner ta vie à Jésus et vivre décemment. Et ne pas vivre selon les gens, selon ta voisine et ton voisin. Mais donne ta vie à Jésus. Tu vas me dire que c'est parce que j'ai tout fait, moi j'ai tout eu, à cause de ça, tu m'attends. Non. Ma vie n'est pas ta vie. Mon ami à la fin est mort, je suis âgé que lui. Mais il est parti. Les gens meurent jeunes. Les gens ne meurent plus vieux. Les accidents qu'on voit, c'est les élèves qui sont suspendus. L'accident n'est pas pour toi. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Jeune, si mon clair baille, j'ai dit, les loups, et puis ils continuent, ils ont espoir même encore. C'est loup ouais, jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure. Ça veut dire. Ils te traquent. Oh. Je t'ai donné un message, elle laisse pas dire c'est loup. Tu comprends? Pour te dire quoi? C'est des gens qui espèrent. Parce qu'ils parlent, un peu. En... Donc tu es parti comme ça. Donc c'est ouais, comme tu es parti comme ça. Tu es tiré pour revenir. Moi-même, tous les jours, je vais tirer les gens. Soyez délivrés. Soyez délivrés. De... Soyons amis. Toi qui me vois. Et puis, je vais ajouter quelque chose que les gens oublient. Ce n'est pas parce que j'ai accepté le Seigneur que je ne peux pas être ami à un musulman, ni ami à quelqu'un. Non, au contraire. Regardez, par exemple, Madame Maïmouna. Maïmouna de Zumbak. Elle est musulmane, mais on est amis, on s'aime. Je lui parle de mon Jésus, elle m'écoute passionnément. Elle m'écoute. Ah, je sais qu'il était la mec, j'ai fait ceci. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être ami à toi. Je peux être ami à ministre, à joueur. Il ne faut plus me parler de la calée à sinistre. C'est tout ce que je cherche. Donc, dans l'amitié, il ne faut pas avoir ta bouée vers juste aller non, hein. Ou non, l'air assini, là. Ah, d'accord. Ah, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut nous dire que, ben, il ne sait pas ça. Loup assini. On dit moi de. Mais il y a assini, et puis il y a loup assini. Et puis il y a loup assini. Toi, tu connais loup assini, là. Assini, on tape cuisse, là. Mais tu étais dedans par le passé, Clébaï. Loup assini, là, tu as fait un peu. Loup assini. Oui, je m'étais assini avec lui. Avant. Oui, elle est loup pointeur, je m'en vais. Oui, avant. Quand il y avait. Il se passait des choses. Je m'en chic pactole, et puis. Pastor, là, on te donne ça dans quelles conditions hein? C'est ça, les cuisses. Non, on va. Si Claire, tu as cœur ouvert, Claire a des choses à nous dire. Non, sérieux, moi, ça, c'est des choses que je n'ai jamais cachées. Tu sais pas où, il faut aller. Tu sais pas où. Non, je ne veux pas être grossière. Non, Claire, tu ne seras pas grossière, mais cuisse, concrètement. Quand on dit cuisse, c'est cuisse. Ma chérie, on touche ta cuisse, on arrive quelque part là. Voilà. On écrase même comme... les cuisses. Ah, voilà. Tu t'en vas faire ça aussi. Donc, aujourd'hui. Gérance de busy, en fait. Non, moi, je n'ai pas busy. Mais quand on écrase et puis on donne là, c'est busy. C'est busy. Oui. Non, sinon moi c'est mon gars. Ah, c'est ton gars. Sinon c'est pas un passage là. Ah. C'était quoi? Mais ah. Que devient Oni Fade Bamindele? Je sais pas. Depuis on s'est séparés, je n'ai pas dit ça. Jusqu'au jour, tu l'as plus jamais vu? Oui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Dès que vous êtes séparés, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais vu. Oui, jamais. Il t'a plus jamais recontacté? Non. Il est parti. Comme ça? Oui. Est-ce qu'il n'est pas venu prendre un peu la chance de Claire Bailly? Moi je ne sais pas ce qu'il est venu chercher où. Il ne sait pas ce qu'il est venu chercher, il était venu chercher, je n'en sais rien. En tout cas, chacun, il est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne joue pas la même main. Jamais, je ne l'ai vu. Lui me voit certainement, mais moi, je ne sais pas où il est, je ne l'ai jamais vu. Mais en tout cas, c'est des trucs que j'ai laissé passer, j'ai pardonné tout ça. Vraiment, que Dieu bénisse ces personnes-là, parce que pour moi, c'était une visite. Le Seigneur a voulu me faire passer par là pour que je sois forgé et aujourd'hui annoncer l'évangile tout en expliquant ma vie, tout en témoignant de ma vie pour dire voilà où je suis passé. Et tout à l'heure, comme tu le disais, j'ai une histoire. Et je bénis Dieu si cette histoire peut faire du bien à un jeune qui me regarde aujourd'hui pour dire que si moi-même, Claire Bailly, parce qu'il faut te demander, si aujourd'hui j'ai laissé ça pour venir à Jésus, je n'ai pas de problème. Il n'était pas malade, Chola. Il n'était pas à l'hôpital. Mm-hmm. Il n'a pas fait accident. Il n'a pas de problème. Il n'était pas galé. Arafat est moi-même là. C'est là même mon tachio. Tu connais, non? Mm-hmm. C'est là même ça a pété. Je pouvais même rester là puis chercher mon argent. J'ai laissé. C'est parce que Jésus m'a touché mon cœur. Sinon, faut me dire pourquoi j'ai laissé. Question. Ma soeur. Réponse. C'est ça la vraie question. Pourquoi je vais laisser? Faut me dire. Si Jésus ne m'a pas touché, vraiment Jésus est réel. Et depuis que je suis donné dans le Seigneur, regardez-moi même. On dit, je pense qu'il y a tous les millions du monde. Est-ce qu'on arnaque les gens matin, venus sur mon nom? Même je n'ai jamais vu ça. WhatsApp, on envoie WhatsApp avec ton nom. Qui te dit, je n'ai jamais vu ça. Dans le de 10 ans, je n'ai jamais vu ça. Mais depuis accepter Jésus, on dit, j'ai partagé 800 000 ici, 700 000 ici, c'est faux.
Moi-même, ça, je voulais t'en parler. Moi-même, donnez-moi l'argent, s'il vous plaît. Parce que je vois ça, il y a des gens qui se font passer pour toi sur WhatsApp. Oui, effectivement. Qui envoient des messages. J'ai appelé même aujourd'hui. La PLCC. Un colonel de la gendarmerie qui m'a envoyé chez PLCC, c'est quoi? C'est eux qui vont s'occuper. Poser plainte. Ce n'est pas moi. Aujourd'hui, je profite même encore de Ivoire TV. Mm-hmm. Parce que j'ai fait ça sur Internet au moins 5 fois, ça ne passe pas. Je suis en train de voir la police actuellement. J'ai déjà appelé gendarmerie. Gendarmerie, ce n'est pas chez nous, en fait. Donc, voilà où on va t'envoyer. Donc, écoutez-moi, ce n'est pas moi. Mais c'est Jésus qui fait ça. On pense qu'il y a tout l'ordre du monde. En réalité, donc, les offrandes, je suis là. J'attends. Ok. Elle va profiter. Elle a été raquettée en esprit. En même temps. Mais là, quand les tontons vont venir, les grosses Range Rover, vous dites que tu es femme, tu es belle, on veut. Tu as dit, tu ne veux pas. Non, ça, je te dis non en même temps. Reste. C'est les tontons là, ils donnent l'argent gratuitement. C'est ça le problème. C'est ça le problème aussi. Vous voyez que. S'ils donnent, ils veulent voir. C'est ça qu'ils savent. Mais Jésus va toucher leur cœur. Ils vont donner ça. Ils vont donner ça. Jésus va toucher leur cœur. Ils vont donner ça. C'est important. Donc, alors Claire, merci pour le message. Notre émission tire maintenant à sa fin. Mm-hmm. C'est fut réellement un plaisir pour nous de te recevoir dans cette émission. Mm-hmm. Et nous prions que la grâce de Dieu t'accompagne toujours, qu'il te fortifie dans le ministère, parce que c'est maintenant même que les tentations vont devenir encore plus dangereuses. Hein. Ça, on le sait tous, mm-hmm. tu vois. Mais je sais que Dieu t'a déjà doté de ce qu'il faut pour faire face à cela. Amen. Car j'ai foi au Seigneur, je sais de là où il t'a pris et là où il te mènera. Amen. Et cela arrivera à bon port. Dans le nom de Jésus. J'aime comment il parle. Amen. Amen. C'est chaud là. Vraiment, sois béni. Et je sais que tu es un enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et sache que Jésus t'aime. L'homme ne peut ne pas t'aimer, mais Jésus nous aime. Et Jésus aime nous comme ça là. Voilà. C'est nous là même là. C'est nous, Jésus aime. C'est ça. Amen. Voilà. Toi, tu penses que toi, tu es bizarre là. Toi, c'est tu es un fétiche. Toi, on dit, toi, tu es prostituée. C'est toi qui t'arrêtes. En zone 4, et puis si un gars vient passer, tu souffres. C'est toi que Jésus veut. Ouais. Parce que quand Jésus finit de te transformer, les gens sont choqués. On pense que tu as fait médicament. Dites à Aziz 47 aussi de revenir au Seigneur. C'est Jésus. Amen. Aziz 47, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Amen. Jésus est rien. Mm-hmm. Fétiche là. Je sais que tu es dedans il y a longtemps. C'est ton gagne-pain. Mais sinon, les fétichats, tu dis comment ils savent les voir de revenir à l'argent. Je te retourne ma commission. C'est eux qui me doivent. Voilà. Uh-huh. Le travail n'a pas marché. Voilà, c'est vous qui me devez. Donc, pardon, il est temps de venir à Jésus. Parce qu'il n'y a pas la paix. Toi-même, tu sais, quand tu rentres dans le temps, ils sont dans ton. Et ils bavardent dans ton oreille. Génie bavarde. Donc, vraiment, pour avoir la paix, c'est en Jésus-Christ. Et donnons nos vies à Jésus. Amen. Et que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse toute cette jeunesse. Que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de jeunes qui ont donné leur vie à Jésus. Mm-hmm. Et vraiment, je suis contente. Pourquoi? Parce qu'il faut ça. Qu'est-ce que tu penses du retour de Blé Goudin en Côte d'Ivoire? Mais bienvenue chez lui. Amen. Bienvenue chez lui. Bienvenue, grand frère. Voilà. Il avait dit qu'on n'est pas dans l'état. Il a dit les leurs. Mm-hmm. Non, frère, c'est encore moi qui ai chanté ça. Il est l'heure. Il est l'heure de ton miracle. Donc, Fazan, tu es arrivé, tu as dit, l'heure là. Je vais chercher l'offrande de ça. Ah, nous, on doit l'inviter dans Fafa bientôt. Donne des spécifiques qu'on a fait. L'heure là, une des spécifiques. Il y a Elon Kiftobit aussi qui, lui, apparemment, ne croit pas trop en Dieu. Hein. Je pense que lui, il est plutôt pour la tradition africaine. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil en tant que pasteur déjà? Oui, la dernière fois, j'ai fait un direct. J'ai dit à mon frère que je l'aime. Voilà, déjà, je l'aime. Mon frère, je t'aime. Est-ce qu'il a réagi? Et bon, j'ai pas encore. Je t'aime. Mais si je veux lui parler, je vous dis toujours, je sais où trouver Elon. Et puis vous allez changer. Fa. Voilà. C'est ça, mais je sais une chose, le fétiche, c'est une perte de temps. Voilà, c'est Jésus qui est la vérité. On dit qu'il ne croit pas en Dieu. C'est normal. Vous savez, le monde est là pour décourager. Satan ne veut pas partir seul. La Bible dit dans Apocalypse 12:12. On dit Satan arrive sur la terre ici, en colère. Mmh, pour ramasser le maximum qu'il faut pour le partir. Ma soeur, il ne peut pas partir seul. Il n'est pas prêt. Non. Donc, il rentre même dans l'église et puis il dérange l'église. Il dérange l'église. Pasteur soit étant. Pasteur a pédophilie. Pasteur, c'est. Pasteur fait ci. Moi, les vidéos des pasteurs qu'on m'envoie, ça quitte au Ghana, ça quitte ceci. Tous les jours, c'est dans l'église. Malgré ça, là, on attend Jésus. Malgré tout le boycott, malgré tous les scandales, on est toi, dans Jésus. Donc, Satan, on est toi. Amen. Voilà.
Alors, notre émission maintenant est à sa fin. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Merci, big up à tous ceux qui partagent les vidéos. Big up au PDG Pierrot. Big up à la grande famille Kangala le berger. Ange Bleu le cultivateur. La marraine Matilda. Merci à tous ceux qui partagent, qui suivent, qui nous soutiennent. Big up à Franck Mian, le jeune industriel. Salut à toi depuis ta position. Razak Silue. Big up à Kenzo Cash Money. Merci à tous et à toutes. On est ensemble. Surtout, restez couverts, couverts, couverts. Shalom, que Dieu vous garde.